à toutes et tous. On se retrouve pour la dernière semaine de ce mois de février. Nous sommes lundi 26 février 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère, et j'espère que vous avez passé un beau week-end. On termine avec l'oracle de Cristal, ce magnifique oracle, et on terminera avec, le petit oracle des fées. Mais avant de commencer, l'affirmation positive pour cette journée, je suis fière de tout ce que j'ai accompli. Oui, eh bien, vous pouvez être fière. Je suis fière de tout ce que j'ai accompli. Je suis fière de tout ce que j'ai accompli. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé, lâcher prise. Ah, ça doit parler à certains d'entre vous, n'est-ce pas? C'est pas facile de faire ce lâcher prise. Et quand je réfléchis au lâcher prise, lorsque moi j'ai fait un lâcher prise sur quelques situations, voilà, je cherchais mon mot, quelques situations dans ma vie, eh bien c'est parce que j'avais fait le tour et que je ne savais plus rien faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un lâcher-prise. Ce qui n'est pas facile, n'est-ce pas? Lâcher-prise, eh bien, je l'ai déjà beaucoup dit hein, dans les capsules, c'est se libérer, c'est vous libérer de vos attentes, vous libérer de, eh bien, de toujours tout vouloir contrôler, n'est-ce pas? C'est, eh bien, c'est accepter la réalité telle qu'elle est et c'est vous accepter aussi et vous aimer vous-même tel que vous êtes. Se lâcher prise, c'est aussi faire le deuil, eh bien, d'une situation. Ça peut être aussi le deuil d'une personne, mais ça peut être aussi pardonner aux autres et surtout vous pardonner à vous. Donc, on vous invite à laisser le passé derrière vous et être dans, eh bien, dans le ici et maintenant, dans l'instant présent, être serein et en paix avec vous-même. Alors, le lâcher-prise, c'est quoi aussi? C'est, eh bien, cela veut dire aussi de ne pas être dépendant de quelqu'un, dépendant des autres. Alors, le lâcher-prise, eh bien, c'est éliminer les blocages, c'est éliminer les interdits, les croyances négatives et surtout vous autoriser à avancer. Tant que vous ne faites pas de lâcher prise, vous stagnez. Alors, c'est l'art de permettre aussi. C'est ne pas vouloir que les autres changent, mais c'est changer vous-même. Parce que vous le savez, je vous ai déjà expliqué ça, on ne peut pas changer les autres. Mais c'est à vous à changer la façon de voir, la façon d'avancer, la façon de prendre des décisions, parce que vous ne pouvez pas changer l'autre. Donc c'est à vous à changer votre fusil d'épaule. C'est aussi le lâcher prise, c'est aussi être responsable, n'est-ce pas, de notre propre vie. C'est être responsable de vous-même et pas celle des autres. Vous n'êtes pas responsable des autres. Par contre, vous êtes responsable de vous-même, de ce que vous faites, de ce que vous décidez, comment vous avancez. C'est être en conscience, n'est-ce pas? Et avoir, eh bien, tout simplement confiance en vous et en la vie qui veut quoi? Ben, qui veut le meilleur pour vous.
c'est s'en remettre à l'univers, avec une grande, grande confiance. Alors, aujourd'hui, lâchez prise, acceptez ce qui est. Lâchez tout simplement. Alors, lâcher prise, c'est dire oui à la vie. Posez-vous la question suivante aujourd'hui. Que voulez-vous lâcher présentement? Que vous ne savez pas contrôler, que vous ne pouvez pas contrôler, que vous avez fait le tour de la situation. Que voulez-vous lâcher aujourd'hui, ici et maintenant? En faisant ce lâcher prise, vous allez trouver une libération. Vous allez accepter les choses. Vous allez pardonner. Vous allez avoir une paix intérieure. Lâcher prise, c'est aussi faire un nettoyage. Et puis c'est de la tolérance. Le lâcher prise, c'est aussi la confiance et la responsabilité. Tout un programme, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on met l'accent sur le lâcher prise. Sur quoi vous devez faire un lâcher prise? Est-ce que c'est au point de vue sentimental? Est-ce que c'est au point de vue familial? Est-ce que c'est au point de vue amitié? Est-ce que c'est au point de vue de votre travail? Question professionnelle. Voilà, posez-vous la question, sur quoi dois-je faire ce lâcher prise? Sur votre enfant aussi peut-être, hein? Alors, affirmation positive, eh bien, je me libère, n'est-ce pas? Présentement, je me libère de mon passé avec joie. Je lâche prise et je me sens bien. Je m'autorise à vivre dans la joie et l'abondance. Je m'aime, ah oui, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et je fais confiance à l'univers. Et surtout, je vis l'instant présent et j'accepte ce qui est. J'accepte ce qui est sans avoir à le contrôler. Je lâche prise et j'accepte. Je me libère. Je me libère et j'avance. Faites ce beau travail aujourd'hui. Ça va, vous allez avancer dans votre vie. Et croyez-moi, c'est comme si vous arrivez à faire ce lâcher prise, vous allez avoir un fardeau qui va s'enlever. Vraiment, je parle par expérience. Donc voilà, beau travail. Posez-vous la question sur quoi vous devez faire ce lâcher prise. Et accepter ce qui est. Alors, on termine, n'est-ce pas, avec le petit oracle des fées. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Très beau message des fées, n'est-ce pas? Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain avec un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.